Le Cercle Com, c'est le cercle des décideurs de la communication. C'est une association qui est née de la volonté de fédérer, à partir de Dijon, tous les gens qui travaillent dans la communication, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur métier. On a aujourd'hui une quarantaine de membres actifs. Je me réjouis de l'ambiance et de l'implication des membres du Cercle Com. Pour moi, le plus grand plaisir aujourd'hui, c'est de savoir que cette association fonctionne, qu'elle se réunit à des rendez-vous réguliers sur des thématiques diverses et de savoir qu'il y a autant de talents réunis autour du conseil d'administration et de son président. Alors j'ai rejoint Cercle Com pour pouvoir profiter d'un réseau avec lequel je peux échanger sur les métiers de la communication, de l'événementiel, qui ont très voilà, un domaine d'activité assez large, de retrouver un seul et même public avec qui on peut échanger sur des choses assez précises, découvrir des nouveaux lieux comme ici chez France 3, découvrir des locaux, découvrir des techniques, des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est vraiment une richesse d'échange que j'ai trouvé au sein de Cercle Com. Nous croyons que ces échanges entre communicants sont très fructueux, ils sont riches et forcément ça apporte beaucoup de mutualiser nos idées. Pouvoir échanger avec les personnes qui travaillent dans la profession, quels que soient les domaines de compétences. C'est un groupe passionnant dans lequel on rencontre tous les gens qui travaillent dans le domaine de la communication à Dijon. Un endroit d'échange extraordinaire. C'est un peu comme Facebook, mais en vrai, finalement, d'avoir un réseau, de connaître les gens qui travaillent, d'intégrer les nouveaux communicants qui arrivent sur la ville, et puis aussi de se connaître et de partager, et d'avoir des échanges amicaux, professionnels, et de faire la fête aussi. Pour moi, vraiment, l'idée, c'était pouvoir, enfin, pouvoir expliquer aux décideurs, aux collectivités, aux grands chefs d'entreprise locaux, de notre univers du centre-est de la France qui n'a pas besoin d'aller chercher à Paris, à Lyon, à New York, au bout du monde, ce qu'il y a à Dijon, en Côte d'Or, en Bourgogne, en Franche-Comté, à Besançon, dans le centre-est de la France.